Eh bien, c'est tout le monde! C'est Chosic, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se trouve sur Next Car Game. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé bien sympathique. Donc, je voulais vous faire une petite découverte. Déjà, excusez-moi, mais il est sublime quand vous regardez ça comme ça. Même des jeux qui font que ça, genre Gran Turismo, etc., je trouve qu'il est vachement badass. Donc, déjà, avant de commencer une petite course, on va tuner un peu tout ça, hein, parce que sinon, je sors pas avec une voiture comme ça. Donc, on a droit à trois voitures. Donc, j'ai envie de faire un peu du derby. Donc, déjà, Engine, on va mettre un truc de monsieur. Voilà, Drive, on va mettre. Voilà. Suspension basse. Brake, voilà. Truc de bonhomme. C'est quoi ça? C'est les pneus, ça, je crois. Ouais, on va mettre des pneus comme ça fait un petit peu plus monsieur. Donc là c'est le style si je viens de comprendre. Oh, éviter de se promener avec une voiture. Ouais, stylé avec les flammes. Ça fait un peu flic, ça, j'aime le concept. Voilà, donc là, comment je quitte? Là, ici. Ça fait petite voiture de flic là en Amérique. Alors, on a plusieurs courses de disponibles vu que c'est une alpha. Donc y a pas. Non, on devrait avoir beaucoup plus de véhicules. Donc là, Derby Stadium, on va mettre un peu moins de gens. Parce que disons que je me fais un peu allumer sinon. Et voilà. C'est parti. Par contre, avant de faire ça, y a-t-il le son? Genre ça, baisser un peu. Voilà. Sinon, je vais devenir sourd pour ma part. Donc normalement ça a dû et c'est parti. Donc Next Car Game en fait sa particularité vous allez voir, non, bah, vous le voyez là tout de suite, c'est vraiment sa destruction. C'est un peu sur le même principe de Bungee Simulator ou un truc comme ça, où je vous mettrai en haut à droite ou en haut à gauche. Une partie. Donc là vous voyez ça c'est un stadium et tout. Donc il nous faut vite faire un petit tour de truc. La voiture la classe. La classe. Donc j'ai évité de foncer sur les gens tout de suite. Pas compte, donc en bas à gauche vous voyez, oh putain c'est comment ça va, hop hop hop, oh, je vais faire un petit tour. Donc normalement il me semble qu'on a plusieurs vues, si on fait C, voilà, on peut voir différentes vues. Le petit défaut que je trouverais à ce jeu, c'est quand vous take down quelqu'un, en fait son gros défaut même, on n'a pas vraiment l'impression de, regardez, on n'a pas l'impression de rouler à 100, et j'ai dû me détruire tout seul, c'est un peu con. On n'a pas vraiment l'impression de rouler vite, mais une autre particularité qui est très bien, par exemple, quand vous roulez à 100, il est impossible de faire des virages à être devant, ça part en couille. Voilà comment se rater, les gens. Je crois qu'on va servir vite fait de son cul, le cul de la voiture, hein, sans jeu de mots. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis devenu fou. Est-ce que le moteur est avant et j'ai pas envie de me faire un takedown? Oh, regardez à 170, c'est un peu dur. Lui là. Oula, oula, je prends cher les gens. Ah, ça se voit que c'est une alpha. Je suis bugué. Je crois que c'est la fin. Ah non, c'est pas la fin pour nous. On nous reprend, on reprend, on reprend, on reprend. Ce jeu est vraiment immersif. Ouais, regardez la destruction. Je vais mettre à l'intérieur parce que j'aime bien aussi le vue intérieur. On peut regarder derrière aussi. Et je fais ça, regardez la voiture, étale la voiture. Hop, on va faire l'ancienne. J'aurai moins de temps, je vais faire ça comme ça. Oula, par contre, c'est vraiment très dur. Ça part en couille. Hein. Je peux pas, mais en parlant de partir en couille, j'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo là sur Arma. Sincèrement j'ai pris plaisir à jouer sur Arma. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à mon ancienne chaîne sur Choisix, je crois pas j'aime pas mon pare-choc. J'essaie vraiment de vous proposer une diversité. Moi je vais faire deux fois. J'essaie vraiment de vous. Et les gens ils font des trucs de fou. Hein. De vous proposer une diversité et un jeu qui me plaît et qui va sortir. Et par contre je vais arrêter là parce que. Elle va tuer personne. Et il n'y a pas que moi qui va avoir en marche arrière là. Je suis gueule, il faut être sur le jeu là. Je vais essayer d'avoir. Je vais avoir ce mec. Même là. Même le décor se détruit.
Est-ce qu'il y a un frein main? C'est la question. Non. J'ai pas l'impression. Mais si, un frein main, mais le frein main ne fait pas vraiment. Regardez même les pneus. Là, on va essayer de faire un joli petit dame sur cette voiture. Eh, sérieusement, je suis une grosse merde. Le gars qui arrive en mode freestyle. Ah, la voiture a explosé. Je commence à prendre cher. Mais vraiment, la voiture ne ressemble plus du tout. Il reste 8 personnes. J'ai tué personne. Comment vous dire? Je suis une merde. Ça devrait se passer comme ça. Et là, lui, la voiture jaune, je vais essayer d'avoir. Et quand on se prend un mur, on a vraiment l'impression. Ouais. Non, non. Et là il y a des petits dirigeables en bas, en haut à droite. Ah, je crois que j'ai perdu une roue. Ah non, pas encore. La fumée. C'est vraiment très immersif. Mais regardez, c'est dégueulasse la voiture, c'est énorme. Ça me déclenche une touche, je sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a fait partir en coup d'un coup. Voilà, tout de suite devant peut-être là, le gars là. Ça serait con que je meure, il reste 6 personnes. Hop, je pars en marche arrière. On va faire un freestyle. Marche arrière comme ça. Est-ce qu'il est mort lui? Ah, je l'ai fait. Ah non, c'est moi qui ai un critical damage. Et voilà. Je viens de me faire exploser. C'est énorme. Donc, Nexer Game, on peut pas. Bien sûr, il y a d'autres choses à faire. Donc là. Hop, allons au garage. Il n'y a pas que ce genre de course, évidemment. Hein, vous allez voir, il y a plein de modes de jeu. Bon, pour l'instant, ils y sont pas tous. Donc là, on va partir sur cette voiture-là. On va juste le changer, on va mettre des meilleures roues. Attendez, hop. Ça, ça fait monsieur, quand même. C'est swagué, c'est le swag. Sérieux, il y a des petits reflets et tout, ça fait... carrosserie abîmée et tout, j'aime. Alors on va éviter de trop toucher. Voilà, donc ça c'est figure en 8. En fait c'est un circuit qui fait un 8 et le petit délire c'est que voilà, c'est ça le milieu. Et donc la plupart du temps vous allez vous faire là on est 23, sérieusement 23 c'est énorme sur une course je trouve. Surtout que le circuit n'est pas vraiment fait. Il y a aussi une map, je crois que c'est Small 8. Regardez. Rien qu'au démarrage, j'espère que je vais pas être. Ouais, je suis mauvais endroit, je vais faire. Et là, vous allez voir, c'est pas tant plus. Je vous ferai une autre course pour mieux se casser du tronçon, là, parce que on va se faire défoncer, je vais pas comprendre. Regardez. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Premier tonneau, c'est le deuxième de la vidéo, c'est. C'est les. C'est les faire vraiment bien. Les voitures tournent pas, c'est... Et ce jeu, en fait, est beaucoup plus sur l'apparence que sur le fait que Dungeon Simulator, en fait. Le Dungeon Simulator, en fait, dès que vous allez prendre un impact, vous n'allez plus forcément pouvoir rouler. Là, vous pouvez faire ça sur le gars va pouvoir rouler. Même si je suis tout en jaune, là, jaune-orange. J'arrive encore à rouler. Il me semble que c'est à peu près sur le même principe que Course à la mort, c'est un bon film que je vous recommande d'ailleurs. Si vous aimez bien les voitures, les destructions, etc. Très bon film. On est déjà au quatrième tour, hein, ça va très vite. Et je suis deuxième. Peut-être moyen de te dépasser si j'accélère bien. Je sais même pas si c'est le deuxième, ça peut. Je suis deuxième, j'ai fini deuxième. Et donc oui, je disais, course à la mort, si vous aimez bien les jeux de destruction, etc. Je trouve que c'est un bon film pour ça. Voilà. Donc là, là c'était un petit stade, mais on va faire une petite dernière course. Si je devrais l'acheter ce jeu, je l'achèterai. Pour l'instant il est encore en alpha. J'ai pris une alpha sur internet. Je sais pas s'ils ont sorti d'autres comment dire
D'autres mises à jour après parce qu'il me semble qu'il y avait une autre map. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc là, on va essayer de se trouver une jolie petite map. La dernière qu'ils ont sortie, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci on peut pas y jouer? Changer. C'est quoi ça? On va mettre 23, on va mettre 5 tours comme ça j'aurai le temps de parler. On va mettre. Voilà, automatique, traction contrôle, anti-spin ABS. Ah, on peut vraiment tout changer. On a pas mal d'assistance, je trouve. Et vous allez voir sur cette course là, vous dites ah ouais, c'est un tracé assez simple. Le tracé est très simple, mais c'est le fait que on est habitué dans n'importe quel jeu de course. Bah, la plupart des jeux de course, genre Need for Speed, de toujours vouloir tracer. Mais vous avez, sur ce jeu, il faut pas. Allez, tranquille, faut pas et une chose qui a été faite par les développeurs de ce jeu, en fait, c'est qu'ils ont rendu les bots cons, très cons. Enfin, je m'explique. Et en plus, c'est un bon principe. En fait, quand les développeurs d'un jeu font l'IA, soit ils vont la rendre très. Très, très forte comme sur Gran Turismo, vous allez voir, bah, j'ai jamais vu de crash sur Gran Turismo de bots, à part si vous les provoquez évidemment. Mais sur ce jeu là, vous allez voir qu'ils vont faire que ce fail, ce qui fait que ils vont vous rentrer dedans spécialement. C'est des bots cons, mais à la fois, est-ce qu'on peut les spot? Ouais, on va recommencer la course. Ah, je peux faire les aides, c'est cool, hein. Ce qui fait que, regardez, ça part, c'est vraiment très immersif. Je sais pas s'il y aura une possibilité de jouer avec un Oculus Rift, mais si, ouais, c'est sincèrement ceux qui ont un Oculus qui puissent jouer, ça doit être vraiment, bon, j'arrive à revenir sur la route, moi, tu passes pas, merci, ouais. Ça doit faire une sacrée simulation. Et je vais prendre pas mal de sensations, hein. Vous voyez, votre voiture un joli backflip. Non, passe pas. On se prend des potes. Autre chose qui est très bien, c'est que vous pouvez voir les développeurs freiner. Alors, je vais m'expliquer. Je vais pas freiner. Je pars en couille. Si vous achetez le jeu, vous allez avoir un accès au jeu. Là, je suis sur une démo, il me semble. Mais vous allez pouvoir voir les maps. En pleine création, quand vous faites une map, elle est toute blanche. Vous faites juste la texture, le tracé, etc. Vous allez juste voir comment le jeu est fait. Par exemple, si, je sais pas si la map est encore en création. Voilà. Non. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi de faire ça? Je devrais mettre un record de tonneau que j'arrive à faire. Là, je peux plus passer. Tant mieux. Ouais, donc vous pouvez voir comment ils font la map, etc. Et parce que les maps, quand ils les upload, en fait, ils les upload pas forcément tout. Parce que le jeu n'est pas encore sorti. Non, toi, je suis derrière la glissière, hein. Je sais pas comment je vais faire. Non, tout bon. Allez. Pas fait de mal. Là, faut que je me sur la route. Je crois que j'ai mis les pneus les moins adéquats du monde. D'ailleurs, c'est. Pas trop beau les bon, je vois plus rien avec mon capot, c'est mieux en mieux. Ça va être par là. Ouais, c'est mieux sur le terrain. Maximum de la vitesse que j'ai réussi à faire, je crois que c'est 150 à peu près, 150-170. Mais il faut jamais les garder parce que voilà. Le photo mode, vous allez voir, on essaie de faire une belle action, un truc où je vole bien, genre là. Voilà, donc là vous faites photo mode. Donc là vous allez arriver sur. Est-ce qu'on peut bouger? Elle est où ma voiture? Elle est là. Elle est là. Et là vous pouvez tout simplement mettre. Vous avez des effets. Donc, par exemple, le flou. Ça doit être aussi un flou, mais non, si je bouge ça,
Attendez. Merde. Oh, je me suis fail. Voilà, ça c'est pour mettre le flou. Attendez. C'est pas vraiment des effets. Elle est où? La voiture, elle est où? Il suffit juste d'être un bon caméraman. Là, vous avez le zoom. Regardez. Hop, vous mettez comme ça. Là, je vais m'en servir comme couverture, je pense. Voilà. Regardez, vous mettez comme ça. Là. Après, c'est des règles de photographie. Voilà. Par contre, pour prendre la photo, je ne sais pas comment on fait. Enter, Light Hub. Ouais, ok. Ce qui est bien, c'est juste que comment prend-on la photo? Pire, je prendrai un petit screen sur hop, mon petit F9 de Fraps. Voilà. Et regardez, bah on peut d'ailleurs se promener sur la carte. Allez, regardez. Ça, quand le jeu est créé, vous voyez, en fait, il fait juste des textures. Et vous voyez bien que avant qu'il crée la map, parce que là, je pense qu'il est encore en développement, tout ça ici, c'est blanc. Ils font juste le plus près de la piste. Et après, ils reprennent. Et encore un tonneau. Et là, bon, c'est la fin. Je peux rien faire. Mais ce qui donne le jeu, en fait, son originalité, c'est vraiment la destruction. Certes, il y a eu des jeux comme Burnout qui existent encore. Je crois qu'ils en font encore. Pas du tout. Ou c'est vraiment la destruction. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est poussé à un seuil vraiment très beau. C'est beau. Bon, sincèrement, ça me fait chier de détruire ma voiture comme ça. Là, je n'ai pas dû la faire 60. C'est le dernier. Les tonneaux, vous me connaissez. Hein. Bon, là, hop. Pas combien de temps faire, bon. D'ailleurs, ce que je vois, c'est qu'ils ont rajouté un pilote. Normalement, il n'y avait pas de pilote. Avant, on conduisait juste une voiture. Ça a été encore ajouté. Comme quoi le jeu est loin d'être fini, mais il avance quoi. On voit que les développeurs avancent, etc. Donc, la voiture ressemble absolument à rien. C'est magique. Par contre, ça fait une sorte d'avant de Raycar. Je ferai voir un autre jeu qui est à peu près similaire, mais malheureusement il est pas. Je le trouve pas beau. Je suis mort, je crois. Il est pas aussi bien fait. Parce que là on voit bien que c'est loin de la HD. Enfin, c'est même certainement de la HD, mais ce que je veux dire c'est que l'autre jeu il pousse en fait la discussion à son paroxysme. Mais je sors les mots de fou. Si ça veut pas dire ça, je vais me faire défendre. Détruire par mes potes qui sont voilà, c'est vraiment une discussion genre vous pouvez faire des ralentis de la voiture qui tombe, vous allez voir quand elle va toucher quand il y aura l'impact, vous allez vraiment voir que la carrosserie tremble, etc. Et je vais très bien dans les solutions si vous voulez. Voilà. Et là je crois que c'est la fin, on va finir là dessus sur la belle destruction de la voiture. Voilà. Donc j'espère que cette mini vidéo, je sais pas combien de temps j'ai pu mettre pour faire cette vidéo, mais c'est pas grave. Alors maintenant je peux faire plus blablater que faire des courtes vidéos maintenant que je peux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez des trucs à dire, dites-le. Enfin, faut être bien, je trouve ça bien que la communauté parle un peu. Donc likez, commentez, partagez si vous voulez. Et si vous n'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires pourquoi. Peut-être que je me répète un peu, mais bon. Voilà. Hein, donc je vous souhaite jouer bien. C'était ChoseX. Allez, à une prochaine. Je viens de mettre un de ces trucs au mur. Allez, peace.